Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver. Je vous retrouve aujourd'hui par contre avec mon petit ruban rose, signe du soutien au cancer chez la femme. Donc tout ce qui est cancer du sein, des ovaires, etc., de l'utérus. Honnêtement, allez vous faire dépister. Après 50 ans, c'est hyper important. Moi, j'ai cassé les pieds à ma mère pour qu'elle aille faire une mammographie. C'est tout simple. Appelez votre caisse de sécurité sociale et demandez-leur un dépistage gratuit. Ils vous enverront un coupon chez vous que vous pourrez présenter dans n'importe quel centre de radiographie pour vous faire dépister gratuitement. Donc s'il vous plaît, faites attention à vous. Et même les filles qui ne font pas de frottis régulièrement, allez-y, c'est très important pour dépister quoi que ce soit, les maladies sexuellement transmissibles, mais comme les kystes, tout ce qui peut être en rapport avec une maladie quelconque. Si il vous faut faire des rayons ou quoi que ce soit, c'est mieux de le savoir le plus tôt possible, donc n'hésitez pas à vous faire dépister, à vous demander où est-ce qu'on va chercher les centres gratuits. Il y en a beaucoup, on ne le sait jamais trop, c'est des centres gratuits et anonymes où vous pouvez vous faire dépister, donc sans en parler à vos familles si vous avez peur de quoi que ce soit. Pour les jeunes filles, vous pouvez aussi aller dans les plannings familiales. Ils ont des médecins qui sont dédiés justement à ces problèmes-là. Donc, vous pourrez très bien avoir une consultation. Donc, bon, bref, juste pour vous dire ça, que je soutiens les actions contre le cancer. Parce que malheureusement, on a appris il y a très peu de temps que mon papa avait une tumeur cancéreuse au poumon. Donc, mis à part cette petite chose que moi j'arbore rose parce que je suis une gonzesse, quoi, j'ai une écharpe rose, voilà, je soutiens la recherche contre le cancer. Mais il y a aussi d'autres cancers, donc n'hésitez pas à faire vos dons. Et voilà, et nous on va commencer une chimiothérapie, donc on va bien voir ce que ça va donner. Je suppose que. Excusez-moi, je suis un peu émue. Mais je suppose qu'à 74 ans, il va beaucoup moins bien gérer cette maladie-là, étant donné tout ce qu'il a eu déjà. Il les accumule un petit peu. Et ma grand-mère est décédée du même cancer de poumon qui s'est généralisé en fait à l'œsophage. Donc, j'ai pas grand espoir, je vous avoue. Mais maintenant, il faut s'en faire une raison et continuer à se battre. Et on va essayer de se battre et on verra jusqu'à quand. On va y arriver, mais voilà quoi. Donc, bah, écoutez, c'était tout pour ce petit message que je voulais vraiment vous adresser parce qu'il est très très important. Et voilà, et surtout les jeunes filles. Moi, honnêtement, même si je perds mon père à l'heure actuelle, je ferai en sorte de ne pas perdre ma mère. Donc, s'il vous plaît, faites-vous dépister. Même les filles qui sont abonnées à ma chaîne et qui ont 40, 50, 60, 70, allez-y, mesdames, allez-y. Ne prenez pas ça à la légère. Et franchement, et j'ai aussi Monique, si tu me regardes, je t'embrasse fort. Et elle est en rémission, donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai commandé un produit qui va peut-être être révolutionnaire, donc je vais le tester. Pour justement les femmes qui sortent de chimiothérapie, qui n'ont plus de poils ou de cils, etc., de cheveux, je vous présenterai une marque qui est dédiée à vous, mesdames, qui est spécialisée donc dans ces traitements-là, mais qui est aussi qui est aussi vendue pour les femmes en général, donc moi par ailleurs. Donc voilà, et puis voilà, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, hein, on y croit tous, et puis je vous fais d'énormes bisous à toutes, prenez grand soin de vous-même, franchement, faites attention, dépistez-vous, faites ce qu'il faut, parce que vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, donc ne les lâchez pas. Moi honnêtement, je pourrais pas perdre ma mère, ça serait trop en si peu de temps, donc voilà, je la saoule à chaque fois pour qu'elle aille faire ça, donc vous aussi je vais vous saouler pour que vous alliez le faire. Donc voilà, je vous fais d'énormes gros bisous d'amour et je vous dis que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Are you listening?